La politique globale de l'ADEME, c'est d'avoir des implantations régionales pour être le plus proche possible du terrain. Et donc, nous disposons pour cela d'un réseau d'implantations régionales qui sont contact direct des collectivités territoriales, des entreprises, et qui donc peuvent échanger avec elles et déployer sur le terrain des politiques qui sont parfois pensées au niveau national, mais toujours avec le feedback du régional. La région Sud est souvent critiquée comme étant en retard sur sa gestion des déchets parce que on pratique beaucoup l'enfouissement ou ce type de solution-là. Mais les choses sont en train de bouger et la région Sud est extrêmement dynamique pour aller vers une économie circulaire. Et les spécificités régionales qui sont à prendre en compte, elles sont d'abord assez, on va dire, assez simples d'un point de vue purement géographique. C'est simplement qu'on a une région qui est coincée entre mer et montagne, avec trois grandes métropoles régionales, donc qui font trois grands pôles d'activité, et pour lesquels il y a aussi énormément d'activités touristiques qui rapportent en plus, en particulier durant la période estivale, des problématiques supplémentaires de gestion d'un afflux de personnes, et donc évidemment de gestion également d'un afflux de déchets. Ce que l'ADEME attend d'un acteur comme Citeo, c'est bien entendu la démarche dans laquelle Citeo s'est engagé, à savoir de se placer dans une logique d'accompagnement de l'économie circulaire, d'animation des acteurs de terrain. Donc typiquement, les ateliers régionaux ont bien cette vocation-là. Ils ont vocation à faire parler les acteurs entre eux, à faire connaître l'émergence de nouvelles solutions, à faire connaître de nouveaux dispositifs. Et donc tout l'enjeu, il est bien là. Il est que des acteurs comme Citeo soient aussi au contact du terrain, dans des activités régional pour accompagner les acteurs véritablement et donc jouer un rôle d'animation qui est extrêmement important. Il faut vraiment sortir d'une approche en silo et l'économie circulaire, le principe de base, c'est de faire converger l'ensemble des actions et des acteurs dans une logique où on sort de la linéarité pour aller vers la circularité.